Bonjour à tous aujourd'hui, les taux d'évolution, hein, on va s'intéresser à des baisses. La propriété du jour, c'est que quand une quantité subit une baisse de t pour cent, elle est multipliée, cette quantité, par 1 moins t sur 100. Si on a par exemple une baisse de 30%, ça correspond à un taux d'évolution de moins 30%, et bien votre multiplication, hein, le coefficient qu'on doit utiliser, c'est 1 moins 30% sur 100. C'est-à-dire, si on met un sous la forme 100 sur 100, ça fait 70 sur 100, ça fait 0,7. Autrement dit, si vous avez une baisse de 30%, il reste 100 moins 30, il reste 70% de la quantité. C'est pour ça qu'on va la multiplier par 0,7, qui est tout simplement 70. D'accord Donc l'exercice que je vous propose, on a trois blousons, on a les prix initiaux ici, hein, et on applique à chacun de ces trois blousons une réduction de 15, 20 et 25 Quel est le blouson le moins cher des trois à la fin Premier blouson, prix initial 69 15 de réduction. Donc ici, Alors, pour bien détailler, on a un taux d'évolution de moins 15 qui vous donne un coefficient multiplicateur, donc de 1 moins 15 sur 100. Ce qui correspond à payer finalement que 85% de l'objet. Donc cette soustraction, elle va vous donner 0,85. Donc vous prenez le prix initial. On va l'appeler PI. Si vous voulez le prix final, il faudra faire 69 fois 0,85. 85. Là, on va prendre une calculatrice et on trouve 58,65 euros. Donc, notre premier blouson a un prix donc final de 58,65 euros, d'accord. Si on fait un petit schéma pour résumer ce qu'on vient de faire, on est parti de 69, on a opéré une baisse de 15%, donc, une multiplication de 0,85 pour arriver au prix final qui sera donc de 58,65. Maintenant, deuxième blouson. Cette fois-ci, on a un blouson qui au départ est à 73 euros avec une réduction de 20%. Le taux d'évolution qu'on doit appliquer, c'est donc moins 20%. Le coefficient multiplicateur qui correspond, c'est 1 20 sur 100. Ça veut dire que vous, si on vous offre 20%, il vous reste à payer 80%, vous avez donc un coefficient de 0,8. Vous pouvez écrire si vous voulez 0,80. C'est la même chose. Le prix initial était de 73. Le prix final sera donc de 73 fois 0,8. Calculatrice, on obtient cette fois-ci un prix de 58,4. Donc 58,40. On note quand même le prix final. Donc le prix final, 58,40 euros. Si on résume la situation, on est parti de 73, on a appliqué une baisse de 20%, donc un coefficient multiplicateur de 0,8 pour nous donner un prix final de 58,40. Donc pour l'instant, eh bien le deuxième est moins cher que le premier. Troisième, blouson. Ici, on a donc un blouson à 78 euros et on fait une baisse de 25%. Le taux qui correspond donc de moins 25%, avec un coefficient multiplicateur, donc 1 moins 25 sur 100. En fait, on vous offre 25%, et il vous reste donc à payer 75% de l'objet, c'est pour ça que votre coefficient, c'est 0.75. Le prix initial était de 78, le prix final sera donc de 78 x 0.75. On obtient donc ici 58,5, donc, on a un prix final de 58,5 euros. Si on doit faire un schéma, on est parti de 78. On a donc une évolution de moins 25% qui correspond à un coefficient multiplicateur de 0,75. Et donc, le prix final, c'est 58,5. Voilà. Conclusion. On a des prix qui sont assez proches, mais le plus euh, petit des trois, c'est le... Donc le prix du deuxième blouson. Donc le blouson le moins cher, c'est le deuxième avec un prix final de 58,4 euros. Voilà, exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A très bientôt.